La plus longue grève de l'histoire de France Inter ne doit pas faire oublier qu'outre les salariés, on compte également de nombreux mécontents chez les auditeurs, pourtant fidèles de la radio de service public. Un collectif s'est même formé, de l'air à France Inter. Radio France avait suggéré de passer. Certains ont pris l'invitation au pied de la lettre pour aller exprimer le soutien des auditeurs à la grève devant la maison de la radio. Comme Aurore, mécontente, qui participe à la campagne de l'air à France Inter. Moi j'ai écouté France Inter depuis toute petite et que j'ai fini par arrêter parce que je ne m'y retrouvais absolument pas. On a pu rencontrer un certain nombre de journalistes ou de techniciens qui nous expliquent que ben, si on a aussi des programmes qui ont un niveau qui baisse à ce point-là, c'est aussi qu'ils n'ont pas les moyens et c'est aussi qu'il y a une sorte d'homogénéisation des gens qui sont pris à Radio France et France Inter, ce qui fait qu'on a aussi une homogénéisation des contenus et que ben, finalement tout le monde commence à s'ennuyer, quoi. Je m'appelle Aurore, je ne suis pas une professionnelle, donc du coup mon discours sera sûrement un peu maladroit, mais c'est aussi pour ça qu'il est intéressant. On est très contents de cette grève à Radio France, c'était un peu inespéré j'avoue. Il y a Fakir, qui un journal que vous connaissez sans doute, qui a procédé à un comptage et qui a abouti à la conclusion que, si on fait, évidemment c'est des chiffres, mais qu'en gros il y avait 1,7% de classe populaire qui était représentée dans le discours. Donc le fait de vous sentir mobilisé comme ça fait très plaisir et on aimerait que ça continue. Et une chose qu'on s'est dite avec un salarié de Radio France quand on s'est vu la dernière fois, c'est que ils avaient EDF, ils avaient France Télécom et que Radio France était le dernier bastion et que il faut pas le laisser avoir, c'est extrêmement important et que donc nous on vous soutient très fort. Voilà. Cette grève que vous êtes en train de créer ce matin, moi je suis juste venu à l'invitation d'un ami pour découvrir ce qui se passait. Et cette grève, c'est pas la vôtre, c'est celle de toute la France. C'est tous les artistes, mais c'est tous les Français qui ont besoin que vous teniez cette grève. C'est bientôt le mois de mai, c'est bientôt le printemps. Il faut tenir, c'est maintenant. Et tenez, c'est tenir.